En fait, le tailleur et l'essayeuse sont des conspirateurs qui veulent rendre le fils de Napoléon à la France. Lui, le faux tailleur, c'est un enfant du siècle, un anonyme de sa génération. Elle n'est autre que la farouche comtesse Camerata, cousine de l'Aiglon, Bonaparte pur sang, belle aventurière. Elle vient de se retirer avec Marie-Louise dans une pièce attenante, d'où on l'entend parfois, cependant que le jeune homme lance au duc de Reichstag un appel vibrant, passionné, on ne peut plus romantique, à vrai dire parfois un peu extravagant. Mais la comtesse Camerata revient dans la pièce, feignant d'y rechercher une fanfreluche égarée. Pardon, l'écharpe! Chut! Je vins avec fureur. Merci. Mais j'aimerais mieux vendre des épées. C'est vexant de parler la langue des poupées. Belle liqueuse, je sais. Je la cherche. Il paraît que dans cette fine main-là, la cravache... J'adore un cheval qui se cabre. Vous faites du fleuret, paraît-il. Et du sabre. Oh, prête à tout. Mais vraiment, je la cherche partout. Prête pour ton Altesse impériale, à tout. Ah, cousine, vous avez le cœur d'une lionne. Et je porte un beau nom. Lequel? Napoléon. Non. Je me sauve, causée de notre grand dessein. Ah, enfin! Elle était sur la harpe! Alors vous comprenez, on fronce cette écharpe! Eh bien, acceptez-vous. Non. Quoi? J'écoutais bien et vous étiez charmant quand vous parliez. Mais rien ne fut dans votre voix la France toute pure. Il y avait la mode et la littérature. J'ai maladroitement rempli ma mission. Si la comtesse là pouvait vous parler... Non. J'aime dans son regard cette audace qui brille, mais ce n'est pas la France, elle. C'est ma famille. Quand vous me revoudrez plus tard, une autre fois, que votre appel soit fait par une de ces voix où l'âme populaire avec rudesse tremble. Mais, jeune Byronien, âme qui me ressemble, rien ne m'eût décidé ce soir. Sois sans regret. Car pour être empereur, je ne me sens pas prêt. Vous, pas prêt? C'est compris, non, restez, je me sauve. Pour le bal de ce soir, la blanche, pas la mauve. Pas prêt. Que vous faut-il? Un an de rêve obscur, de travail. Viens régner. Non, mon front n'est pas mûr. La couronne suffit pour mûrir une tempe. Oui, la couronne d'or qui tombe d'une lampe. C'est que l'occasion... Plaît-il l'occasion, serait-ce le tailleur qui reparaît? Mais... Non, j'aurai la conscience à défaut de génie. Je vous demande encore 300 nuits... d'insomnie. Mais il va confirmer tous les bruits, ce refus. On prétend que jamais avec nous tu ne fus. Vous êtes jeune France, on vous croit vieille Autriche. On dit qu'on affaiblit ton esprit. Qu'on vous triche sur ce qu'on vous apprend. Et que tu ne sais pas l'histoire de ton père. On dit cela là-bas. Que leur répondrons-nous? Répondez-leur que... Cher comte. C'est Dobnos. Pour mon cours d'histoire, qu'il monte. Mettez le plus de temps possible à tout plier et tâchez dans ce coin de vous faire oublier. Bonjour, mon cher baron. Achevez là derrière vos paquets, mon tailleur et la couturière de la duchesse. Aha. Vous gêne-t-il? Non, non.